Et salut tout le monde, salut à tous, c'est Croco et on se retrouve pour une nouvelle sorte de vidéo. Et oui, là, je pense que plus d'un va être choqué. Parce que le Croco qui se vante d'être monocompte, tout ça, traîne en compagnie de, vous voyez, 4 comptes abonnés. Oui, en effet, donc je vais vous expliquer comme ça vite fait avant. C'est tout simplement parce que mes techniques ne marchaient plus, je l'ai dit d'ailleurs dans une de mes vidéos, que mes techniques monocompte ne marchaient plus, mais... je compte vraiment trouver d'autres techniques en monocompte parce que j'aime pas du tout. Donc là ils sont à beau juste une semaine. Je vais voir si vraiment c'est rentable. Donc ils sont tous pourris, hein, je tiens à préciser. Donc le Nunu, je crois que tout le monde le connaît. Lenny, il est 126. Il a que de la PP, hein, il est tout moisi. Et le Feka, il est 158. Et il a de la PP, il est tout moisi. Voilà. Tout le monde est tout moisi, évidemment, sauf mon Croco qui est à peu près potable. Et donc on va se retrouver pour faire le donjon Pandikaz. Donc un donjon que je n'ai jamais fait. Et en plus pour trouver une de mes astuces monocompte, j'aimerais putain, je crois que je vous ai embrouillé là. Alors pour une des astuces Kama que je recherche, que j'ai essayé, peut-être j'ai trouvé mais je ne suis pas encore sûr tout ça, j'ai besoin de drop une étoffe qu'est-ce que je raconte, non une... oui si une étoffe de maître Pandore ou je sais pas quoi, un truc comme ça genre. Bon bref, j'ai demandé vite fait à la guilde, ils m'ont dit que c'était le truc Pandore, là, je sais pas quoi. Et j'ai jamais fait le donjon, hein. Je suis pas trop PVM, hein. J'ai jamais farmé, j'ai jamais fait tout ce genre de truc. Mais bon, à moins qu'il OS au cac, mais à mon avis, on m'a dit que je pourrais normalement facilement le soloter. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le soloter, d'ailleurs. Le soloter, je suis à 4, quand même, hein. Donc, normalement, tout le monde a le trousseau. Je vérifie toujours avant, hein, pour pas en laisser un tout seul comme un abruti. Je rappelle qu'on est après la mage, donc on a le truc modulaire, je sais pas quoi, là. Que j'aime pas du tout, d'ailleurs. Et donc on est parti, donc j'espère que ça sera pas trop long. Normalement je rush, de toute façon, avec le... Avec le croco, et donc... voilà, et donc on va essayer de voir si c'est rentable, si on peut dropper la fameuse étoffe du maître Pandore, qui coûte 200 000 kama. Ça me faisait bien chier de l'acheter. Alors, on va se mettre direct en mode tactique. Ah d'accord, bon, c'est pas très grave d'ailleurs, heureusement que c'est un sacré qui... Parce que là, un yop, je pense qu'il aurait fait la tête. On va faire challenge, tout ça, j'aimerais bien voir tout. Ah oui, mais j'ai même pas besoin de faire... J'ai même pas besoin de... de sacré en fait. Quoi? Putain, ça commence, on m'a mis en état pesanteur, je sais pas pourquoi. Tant pis. Soin... C'est quoi le challenge? Ne jamais finir sur une tour à la tête d'un allié. Easy. Easy, j'ai envie de dire. C'est dommage, le mode tactique, il est bien, mais il gâche les paysages quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, mais genre... Il y a des beaux paysages, tout ça, et nous, on... Comme des gros bourrins, en ce moment, mode tactique, avec un truc tout dégueulasse. Génial, quoi. Le monde de la nuit. Et je trouve que, ouais, je trouve que c'est un peu dommage. Donc je vais essayer quand même avec tous les autres comptes, et puis même avec... Allez. On va faire les fifous. On fait les fifous là. Avec tous les comptes, je me mets en mode normal. On est des fous dans notre tête. Vous le savez. Voilà. Normalement, ça devrait pas trop gêner. Évidemment, si je vois plus rien. Bref, vous savez bien ce que je veux dire. Ok, je crois qu'on va bien rigoler dans ce donjon. Qu'est-ce qui se. Quoi? Oh, mais qu'est-ce que je fais avec ce marteau moisi? Putain, mais quel abruti. Putain. Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi ça marche pas non plus, quoi? Toi, là, tu peux te faire toucher, toi? Oui. Oh mon dieu, ça va être n'importe quoi, ce donjon. Ça va être n'importe quoi. Je connais rien au sort, mais c'est un massacre complet. Je pense que vous avez remarqué. Je sais même pas. Je cherche mes sorts, hein, bien entendu. Voilà, revitalisant. Oh! Bah alors, avec ça, on est bon, là. Ah d'accord, et putain mais il tape, hein, ouais, il tape. Mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas les taper au cac, je pense. Il y a un truc comme ça, moi je dis je peux pas les taper au cac. Prendre un vertige de PA, ouais, 3 PA. Non. En tout cas, il y a aucun sort qui... Mais qui n'a pas passé là? Il y a aucun sort qui... Allez, allez, on va se dépêcher. Ce que je vais tenter, c'est... Putain, mais il me tacle méchant en plus, hein. Ouais, mais pourquoi lui j'arrive pas à le taper là à gauche là? Putain, mais casse-toi toi.
Pourquoi j'arrive pas à te taper? Mais je peux pas lui. Lui il a un truc lui. Oh mais putain mais quel abruti, il a 90% de résistance. Putain puis en plus j'ai des sorts R mais n'importe quoi. Mais putain mais faut être vraiment handicapé. Oh c'est un petit trop con. Mais il rocks lui hein. Lui il a quoi? Et voilà pareil là, tu vas aux forces de l'âge. Ah non non non. Ne pas tenter de retirer PM. Ouh ils ont failli me niquer va. Ça va que l'œil de lynx était présent. Bien entendu comme d'habitude. Donc ouais donc là il suffit d'un seul assaut à mon avis pour lui éclater sa tronche. Voilà. C'était prévisible. Un petit transpo. Toi tu veux quoi? Tu veux des assauts dans la tête? Et bah tu les auras. Toi tu veux quoi? Tu veux des assauts dans... Tu veux des sorts hauts dans la tête? Et bah tu les auras. Et bah t'es même pas mort. T'es même pas mort mais tu risques de mourir. Parce que oui, évidemment, je rock ça. Hein. Il va de soi, hein, voilà, moins 41. Ah, oh là. Ouh, ça, ça coûte au moins 300 kama. Hein. Oh, mais en plus, j'ai up, mais c'est magnifique, mais quel donjon. Ah, mais ça va être rentable, je sens. Là. On va bien s'amuser dans ce donjon. Ouais. Allez, c'est parti, deuxième salle. Une grosse XP en perspective. Ça, c'est marrant de... Le problème, c'est que je pourrais pas faire beaucoup de genre de vidéos, comme j'ai fait quand même la plupart des donjons. Et c'est vrai que celui-là, je l'ai pas fait, mais j'ai presque tout fait, sinon. Donc, mis à part quelques-uns. En tout cas, tous ceux que j'aurais pas fait, qui seront de level moyen, je tenterai de les faire comme ça. Ça permet de découvrir, c'est cool. Alors, nous avons quoi? Nous avons ça imprévisible. Challenge que j'aime pas trop. Carotte, j'ai pas envie de le faire. Alors, on va regarder les restes cette fois-ci. 0 et toi, Coco, moins 8. C'est parfait, ça, je peux vous écraser la tête, là. C'est très bien, ça. Mais non. Putain, mais... Pourquoi j'ai encore oublié, quoi? Mais oh, putain, et puis la carte qui se met... Oh non, mais... Pourquoi j'ai oublié? Je sais pas. Non, je sais pas. Non, mais je sais... Ouais, non, je sais pas. Faut absolument que j'y pense, là, parce que là, ça me ruine mes combats, là. Autant... Putain, puis toi, vivement que tu sois sans, là, que je puisse poser un coffre, aussi. Putain. Ça, je peux te dire que je l'attends impatiemment. Là, les mémourés, les invoques, de toute façon, vous êtes toutes pourries, là. Tous les mauvais. Oh, mais non, mais là, c'est l'adversaire qui lag. Non, sérieux, là. Le pendule case, il lague. Par contre, il joue vite, là. Et il est en train de s'exciter. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ok, donc moi j'ai plus de... Hein. Je crois que tout le monde l'a vu. Non, non, ne te mets pas en mode tactique. Tiens le coup. Oh putain, c'est mon PC là. Il est en train de faire l'avion par contre. Ok, c'est bon. C'est bon, toi, hop. J'ai esquivé le mode tactique. Je peux tenir tout un donjon sans le mode tactique. Hein. Il faisait comment avant dans... Hein, comment ils faisaient? Eh ben, ils avaient pas le choix. Ils avaient pas le choix. Alors, on va faire comme si on n'avait pas le choix. Puis là, magnifique paysage. Là, on est dans les... C'est sympa, là, franchement, j'aime bien. Là, on voit en dessous l'île de Pandawa, là. On est monté dans un arbre, je pense. J'ai pas trop suivi le début. Je pense qu'on est monté dans un arbre. Comme... Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu? J'ai pas demandé ça. Non, mais là, repassez, là. J'ai fait une furie sur cette case. Je pense que tout le monde l'a vu. Hein. C'est pas possible autrement là. Là faut que je revoie ça. Il y a un problème. Oh le donjon pourri quoi. Non allez, on va se calmer. C'est qu'un petit donjon. C'est vrai que c'est un peu chiant quand il y a des problèmes comme ça là. Voilà. Voilà. Si j'avais pas oublié mon cas, on n'en serait pas là. Donc tout est de ma faute, de toute façon. J'assume les conséquences qui sont la mort de tout le monde. J'ai comme l'impression que je vais pas le finir, le donjon. Je sais pas ce qu'il y a. Je sens bien, là. J'ai vraiment une agie en papier toilette, là. Parce que j'arrive même pas à tacler... Oh non, mais ça le refait. Putain, mais je fais des misclics, là. C'est pas possible, là.
Putain, mais là encore, j'avais fait une furie, quoi. Putain, puis je suis en train de me faire mais démonter la tête, mais. Il y a quelque chose de bien. Essayer de se soigner un peu quand même. Voilà! C'est ça que j'aime bien, ça. Ça, c'est du bon, ça. Là, désolé, mais là, je ne pense qu'à remettre mon marteau. Sinon, je vais encore oublier. Il faut que j'y pense. Je pense à remettre mon marteau. Hop, hop, mon marteau, mon marteau, mon marteau, mon marteau, mon marteau, mon marteau, mon marteau. Voilà. Si j'oublie là, c'est que c'est un problème technique. Voilà, c'est bon, il est pensé à partir du moment où tu commences à mettre. Voilà, c'est bon. Alors, on va pouvoir voir avec les autres comptes. Donc, c'était un peu tout moisi, je suppose. Ouais, tout moisi. Je suis con, c'est la même fenêtre. Tout moisi et donc tout moisi, évidemment. Évidemment. Donc, nous sommes à la salle 3. Normalement, il n'y a que 5 salles. D'après ce que j'ai compris, tous les donjons faisaient 5 salles depuis la mise à jour. Le truc totalement pourri encore. Je sais pas, un donjon, c'est. Normalement, un donjon, c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai pas compris quoi. Un donjon, mais c'est le même pour tout le monde. Et quel est le changement S'ils sont pas assez, bah. Je sais pas, ils sont pas assez. Ils sont pas assez bons, du coup, ils le font pas. Pourquoi avoir baissé le niveau Je comprends pas. J'ai pas compris. Pas compris. Je trouve que c'était une idée pourrie pour ma part, mais. Il y en a qui apparemment ils sont plutôt contents de cette idée. Non, cac là, je t'en supplie là, attends, je l'ai fait là. Ouais. Oh non, puis l'autre il a dit. Allez, on va mettre ça. Ouais. Surtout, ne point s'énerver. C'est la base. Hop, un petit recon. Ça fait pas de mal. Et. Non, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Hop, non, vous n'avez rien vu. Petit mot de préve, parce que j'ai pas envie de sacrifice. De toute façon, Lenny. Le Nunu va mourir. Ouais, bon voilà, le Nunu est mort. Par contre, ils invoquent des bois de terre, là. J'ai pas trop compris. Il y a un peu aucun rapport. Quel est le rapport entre un pont du case et un bois de terre? Putain, Enikun réduit les dommages de 110? Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dit autant. Lui, je l'ai démonté, lui, le pauvre là. Toi, je l'ai démonté comme ça aussi. 420. Sûr que le moins 200, ça fait du bien. Hop. Tant pis, hein. On va donner PA. Je sais même pas pourquoi je me suis soin. Normalement, ils sont morts ce tour-là. Lui, un petit assaut. Hop, moins un. Toi, toi, deux coups de cac. Non, 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 un coup de cac. Coup de soin. Très bien. Ah, il est pas mort. Pas mort, mais il y a moyen que j'arrive à le tuer. Bien. Allez, allez, bonne chance. Ah, d'accord. Évidemment. Ok, génial, c'est la fête. Sans commentaire, hein, s'il vous plaît. Vous ne commentez pas ce qu'il venait de voir. C'était ridiculus. Putain, puis en plus, il est à perpète et je peux pas lui faire de flamiche. C'est génial. Putain, mais. Ah oui, il y a des passerelles, mais. Un peu le bordel cet endroit quand même là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais pas m'en sortir. Y a pas une salle que j'arriverai à faire rapidement, quoi. En plus, lui, faut, je vais le choper, lui. Je peux te dire que. Il va s'en rappeler. Non, me râle pas. Mais d'où il me râle? Mais putain, je me dis que j'en ai marre aussi du mode. Oh non, ah, mais c'est bon, l'épée là-dessus. Regardez ce que je vais faire. Ah non, je peux pas. Je vais faire un marteau de moon, mais en fait, c'est 8 PA. Donc, on va faire juste un simple assaut. Et l'épée va finir le pendule case. Voilà. Épée, tu n'as pas fini le pendule case là. C'est pas gentil, épée. Tu seras châtié. Tant pis, à moi de le finir. Voilà, on a fait un petit challenge là. Ça mange pas de pain, comme on dit. Et hop. Ah oh, tiens, on a droppé un nouveau truc là. Peau de pendule. Ah, ça sert dans les trophées, ça. Je me rappelle. Et même poil de pendule. Ah non, non, aucun rapport. Et un œuf de bois, le truc, c'est même pas pourquoi. Alors, je ne comprends pas où est le groupe. Ah là.
Ouah, j'espère qu'on peut pas tomber, hein. Non, je pense pas. Ça serait un peu salaud de leur part, on est d'accord. Hop, 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 hop. Voilà. On va s'en sortir. Hop. Alors, ouais, et là, ça va être vraiment chaud sans le jeu calorique. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Un glaçon géant. Putain, énorme. Un glaçon géant, quoi. Je sais pas d'où ils sortent leurs idées. Mais non, mais c'est pas un glaçon. Non, c'est un monstre, je sais même pas ce que c'est. Mais ils sont combien là? Eh, mais il est tout seul lui. Ah, d'accord. Et non, il est où l'autre? Ah, il est en bas. Ok. Oh, s'ils invoquent des glaçons, ça va être chiant. Oh, mais ils ont que 20 de vita. C'est quoi ces glaçons? Oh là là, les résistances. Ok, lui moins 80 haut, mais lui. Oh putain. Va falloir que je mette un châtifeu là. Va falloir que je le mette parce que. Y a pas trop le choix. On va essayer de tuer ça. Ah, on peut pas les tuer? Oh non, on peut pas les tuer quoi. Le truc, tu peux les tuer qu'à la libération là. Ça va être lourd. Je mets ça, mais je sais même pas pourquoi je le mets, hein, on va dire. Ça va être tout pourri. J'ai la flemme de tout mettre. Qui m'a tapé là? Ah putain, les lancers de pelle quoi. Comme roulage de pelle, ouais, comme les. Bon, faut que j'arrive à en choper un, hein, on va les choper. Oh non, je suis en apesanteur quoi. Putain, et là on peut pas passer là? Si. En ça, magnifique. Bon, je peux en tuer que un tous les deux tours. Lui, je peux faire des mots de frayeur, mais je l'ai même pas monté, je crois. Mots de frayeur. Ok, d'accord. Je crois que je l'ai pas monté. Se rabattre vers. Hop. Va des rétro, Satanus. Hop. Feka, il peut pas pousser le Feka. Feka, c'est le plus pourri, je pense. Mais là, mais putain, mais s'il me met en pesanteur à chaque fois, ça va être chiant. Ouh, mais c'est quoi ce donjon là? Ça y est. Donjon, ça fait même pas 5 minutes, il m'a déjà gavé. Comment j'ai poussé merde là? Non, sérieux. Sérieux, comment je les pousse? Je mets châtifeu. Je vais me booster moi-même, vu que visiblement ils sont pas capables de me booster. Évidemment, ils sont pas tuables. Ouah, mais le donjon qui va gaver, quoi. Oh, bah oui, non, mais bien sûr. Non, mais en plus, le pire, c'est la tape en senteur, quoi. Non, mais faut arrêter, là. Putain, mais c'est pas la fête. Je sais pas quoi, là. Donc, lui, il peut toujours pas pousser. Génial, c'est génial. Lui, oh, on va même pas en parler du Feka. Allez, ta pesanteur. Bah oui, pour changer, c'est vrai que ça nous manquait un peu. Là, tu fais. Oh putain. Mon dieu. Non mais mon dieu quoi, je sais pas si vous avez. Allez, casse-toi, mais casse-toi. Allez, file de là. Mais putain, mais va mourir quoi. Mais c'est pas comme ça. Mon dieu. Non mais il faut le dire, hein, je suis un peu fatigué aussi. Il y a des deux, il y a des deux. Oh mais non mais putain, avec lui je suis aussi un autiste, faut avouer là parce que. Oh non mais. Mais il a 0 PM le machin? Mais il a 0 PM, lol. Machin, il a 0 PM. Ah, je m'en fous, hein, je m'arrache la tête. Hein. J'ai rien à faire. Oh putain, je lui fais des bons dégâts là quand même. Faut avouer que. Je pense qu'il le sent passer là. J'ai même pas fait de CC, je crois. Et disons qu'il commence à roxer la roulage de pelle. Ah, c'est marrant, il me tape 76 0 0 0 11 11. Très bizarre, je sais pas comment marcher, les gars. Il se fait un petit recon là. Oh, il manque un. Oh, mais je suis con, j'ai le mot d'envol. Mais putain, je connais vraiment pas les sorts.
Hop. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Oh, salaud, va. Attends, mais alors ça, c'est... Ça, c'est petit joueur. Tuer les faibles, et eh ben, tu ne mérites pas de vivre, tu vois-tu? Je... Attends, toi, tu vas quand même t'en aller parce que tu m'énerves un peu là. Alors, on va essayer de se soigner, ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Je sais pas, je n'aime pas. Ah, il est mort! Oh putain, j'ai oublié d'aller dans l'autre sens. Oh yes! Les deux pandas machins, ils sont dans le, au milieu. Oh, c'est parfait. Oh putain, j'ai la voie libre. Je vais tout arracher là. J'ai la voie libre. Il faut juste que je m'arrache encore un peu la tête. Je sais, non, je ne suis pas sado, hein, je me booste. Hein. Parce que il faut que je me booste un tel. Attends, j'ai. Mais putain, j'ai pas mon châtiment tel. Je me booste un tel sans châtiment. Ah oui, non, mais c'est. C'est spécial, hein. Et je vais faire des belles flamiches, je pense. Montre. Il y a quand même des petites flamiches à 200, 230, hein. Pour quelqu'un qui est pas du tout feu. Ça fait plaisir, n'est-ce pas? Hop, 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 hop. Et là, on va se régénérer à l'abso. Faut que je trouve abso. J'ai pas abso. J'ai pas abso. Merde. J'ai pas abso. Sors. Abso, dépêche-toi. Abso. Niveau 1, tant pis. Ça devrait. Combien? 302. Putain, j'ai lagué comme un trou là. 207. Ah putain, ça varie bien. Attends, mais pourquoi je tape plus à Flamiche là? Nouveau donjon, c'est. Enfin, nouveau donjon. Le donjon, j'ai je sais pas combien d'années. Moi, je dis nouveau donjon. Putain, c'est quoi l'autre élément? Terre? Ah non, ce sera pire, moi. Il suffit de regarder mes caractéristiques. Ouais, ce sera pire. Terre, j'ai même pas par chausson, hein, comme ça. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Putain, mais je connaissais pas ces guerriers pandicaz là. Je vais m'en souvenir. Eh, mais il me rocks en plus, hein. Putain, mais j'ai limite envie de faire une punie là, parce que. Non, mais 80. Ouais, vas-y, je l'attends, la punie. Hey, j'ai tapé plus qu'avec Capso. Hein. Sur 80% de résistance. Allez. Non, s'il vous plaît, ne vous endormez pas. Le combat n'est pas fini, je vous en supplie. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Non, allez, je vous autorise à vous endormir. Je vous réveille à la fin du combat. Pourquoi il est mort, lui? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais tué, là? Putain, j'ai rien drop. Bizarre. Maître Pandore. Ah, on arrive, les gars. Réveillez-vous. C'est la fin. Vous pouvez vous réveiller, s'il vous plaît. Je commence le combat. Oh non, j'ai pas de pain. Non, 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 c'est une petite farce, ça. C'est une farce honnête. Oh putain, Nunu, je t'en supplie. Nunu, je t'en supplie. Je t'en supplie, t'étais PVP, t'as eu. Vraiment, il a lâché du pain. On s'en sort bien là. Parce que là, j'aurais fait une vidéo de 50 minutes. Je serais donc resté. Ok, d'accord, on va pas faire comme ça. On va mettre 30. Putain, mais qu'est-ce qu'il bouffe du pain le truc là. Ok, donc là, attention, parce que là, c'est monsieur. Là, je drop là, d'accord. Là, je veux pas de. Hein. Là, je veux mon étoffe de maître Pandore. Et attends, hop, hop, hop. Je veux pas que ça. Eni, t'as ta vie. Eni, je veux qu'il survive aussi. Puisqu'il va capturer. C'est pour ça que tu vas manger deux moules frites. Voilà, c'est très bon pour la santé. Ça, je sais pas ce que c'est. Un croc mignon. Je sais pas ce que c'est. Ok, d'accord. Le truc, ça fait des années. Alors, maître Pandore. Maître Pandore. Allez, c'est parti. On est des fous. Donc, normalement, il est pas dur. Hein. Si je meurs. Je préviens que je boude. Ok, donc là, on va la jouer tactique. Hein. Je préviens. On va la jouer tactique. Évidemment. On va essayer de faire les challenges, évidemment, évidemment, on va faire les challenges. Non, 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 commence pas à mettre Pandore. Ah non, c'est pas lui de mettre Pandore. Tant pour moi. Hop, sacrifice. Nickel. Il est où le maître Pandore? Ouh là là, il a de la vitale, Coco. Tu te défends, hein, Satanus. Alors, on va faire quoi? On va faire ça. Alors, tuer maître Pandore en dernier. Ok, on est obligé de le faire. Ne pas soigner pendant toute la durée du combat.
Ne pas soigner, mais c'est pas ne pas se soigner, on est d'accord. Hein. Non. Ne pas, attends, ne pas soigner. Mais c'est quoi ces challenges pourris d'ailleurs? Attends, mes deux challenges, c'est 30 et 20%, quoi. J'ai l'impression de m'être fait un peu avoir, là. Hop, si j'avance... Non, mais pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Tout va bien. Pousse-toi. Oh, je l'atteins. Ça, c'est beau. On peut quand même avouer que ça, c'est beau. C'est ça, Maître Pandore? Ok, c'est rien. J'avais trop peur de me faire OS cac. J'avoue que c'était un peu ma pire crainte. Ah non, mais non, c'était pas lui. N'importe quoi, non, mais... Oh là là, ça part en vrille, là. Je vais essayer de tuer... Qu'est-ce qu'il fait? Je vais essayer de tuer ce truc, là. Vas-y, on se le fait. Ok, ouais. Non, sérieux, après... Faut pas être désagréable, mais bon, voilà, quoi. Bien sûr. Ouais. Faites du slip, là. C'est évidemment, hein, c'est pas le troisième cac, hein. Bah non, ça serait trop marrant. Premier, c'est... Mais non, en plus, je suis à perpète. Je vais être obligé de tuer le truc, là. Putain. Tout va bien. Faut pas trop que mon ennemi se fasse toucher, donc... j'ai un peu peur pour lui. C'est la fin de sacrifice, je vais mettre un mot de prêve. Là, le nouveau sacrifice. J'ai bien fait, je crois. Il me semble que j'ai bien fait, là. Et je peux déjà resacrifier ce tour-là. Une prêve, ça dure combien de tours? 2 tours. Ok. Je peux me permettre de pas sacrifier. Et toi, tu t'en vas. Je sais pas qui t'es. Voilà. Merci d'être passé. C'était cool. À bientôt. Donc là, un coup de cac ou de furie? Coup de cac, hein. Donc, il tape assez fort quand même. Petite flamiche. Hein. Ça touche toujours. Ça mange pas de pain. Alors, curatif, je peux pas. Stimulant, c'est toujours pas. Bah, rien. Pas que j'oublie de capturer, hein, surtout. Oh putain, ça y est, le maître Pandore s'excite. Ah non, ça va. Oh, je vais faire un truc de fou là. Je préviens, vous allez avoir un tour de fou. Oh non, mais qui m'a enlevé un PA? Ah non. Ah non, si, on m'a enlevé. Mais non, mais. C'est bon, ça va. Tout est ok. Eh, j'ai tapé le maître Pandore. Hein. Ouais. Ouais, il est facile, hein. Il est facile, le maître Pandore. Ouais, parce que là, je lui arrache un peu la tête quand même, il faut avouer. Quand même avouer que là. Oh, il tapote quoi, ouais. Il fait des petits dégâts par-ci par-là, mais. Rien de bien méchant. Oui, c'est bon, on a compris là. Voilà. Plus beaucoup de vie. Alerte vie là. Alerte vie. Je peux pas me soigner, hein. Ne pas soigner. Ne pas soigner. Je peux me soigner, on est d'accord. Ne pas soigner, hein. Mais putain, mais vas-y, ça m'énerve cette challenge en mousse. Hein. Oh, je suis désespéré. Déjà que j'avais que des challenges en papier mâché, là. Va-t'en, va-t'en. Mais, attends. C'est pas vrai. Sérieux, mais pourquoi? Dieu, pourquoi tu es comme ça avec moi? Je t'aime pas trop, Dieu, tu vois. Doucement, doucement. Ouais, c'est bon. Et putain, j'aurais pas réussi à... Ah si, c'est bon. Je me disais, j'aurais pas réussi à triple cac seule fois du combat. Non, mais je vais m'acheter des CC autre part, hein, de toute façon. Visiblement, j'en ai pas qui tombe, là. Hop. Non, non, doucement. Oh, il va se calmer, lui, hein. Il tape mon... Le fourbe, il tape mon ennemi. Merde, putain, je me suis auto-tapé.
splendide, magnifique. Du grand art. Il retire PA en plus. Oh merde, puis bientôt, je vais bientôt plus pouvoir tacle. Attends, on va éviter de le buter quand même, hein. Je rappelle que le but c'est de... Ok, non, je peux encore en faire un largement. Ouais, on va se calmer. On va se calmer sur les CC, évidemment, ils sortent quand j'ai peur. Alors, capture d'âme. Hop là. Tchoum, transformation. Hop. J'espère que j'ai pris la bonne pierre. Et là, non seulement je drop l'étoffe de Maître Pandore, mais en plus, j'ai la pierre de capture. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Attention, suspens. Suspens, suspens. Ah, bah voilà qui fait plaisir. J'ai mon étoffe de Maître Pandore. Merci beaucoup. Merci. Ah, je suis content, là. Après, j'ai droppé plein de trucs un peu bizarres, là. Ouh là, je vais me vanter guild, là. Oh là, non, mais moi, je suis un fifou, moi. Moi, je suis comme ça, moi. Hé, hé. Moi, bon, j'arrête, ok. Alors, j'ai droppé quoi, sinon hop, hop, hop. Donc ça, c'était pas grand-chose. Un pôle de Pandore, je crois que c'est pourri. Ok, donc ça, on s'en fout. Ok, donc lui... Lenny... Lenny, il a droppé un truc, là. Je sais pas trop ce que c'est. Trick-tru. Ok, d'accord. Trick-tru, très intéressant. Poil. Ah, peut-être poil, hein, on sait jamais, je sais pas. Peau. En fait, j'ai eu un peu de tout, là. Poil, peau, pied, main. Je sais pas trop ce que... J'ai eu la panneau du Maître Pandore, quoi. Avec tout ce que j'ai drop, je peux reconstituer un Maître Pandore en entier. Non, c'est cool, c'est cool. Eh, mais j'ai pas eu la... Et ma pierre? Elle est où, ma pierre? Ah, mais elle a disparu. Putain, mais j'avais pas pris le... On parie combien? C'est Lenny qui est censé l'avoir. Peut-être il l'a, peut-être il l'a. Et il l'a pas. Qu'est-ce que j'ai branlé? Non. On se calme, j'ai dit. On se calme. Ce n'est pas parce que j'ai pris une pierre 150, évidemment, le monstre c'était 250. Est-ce que j'ai eu beaucoup de chance? Ou est-ce qu'elle est quand même, elle tombe facilement? Et dans ce cas-là, ça pourrait être une... Je dis pas une astuce Kama, mais... Dropper... Oh, puis là... Dropper des... Bon, allez, on va faire un petit tour. Je vais... Si vous voulez rester là, je reste un peu. Il se passera plus grand-chose, je vais juste prendre les trucs. Et voir les trucs un peu que je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qu'il faut avec 20 prestiges? Voir combien ça coûte HDB. Donc c'est tout con, hein. Prendre tous les trucs qu'on a drop pendant le donjon. Donc voilà, il n'y a pas grand chose. C'est surtout pendant le boss, plus que pendant le donjon. Je rappelle quand même que j'avais des challenges pourris, hein. Je pense que vous pouvez confirmer. J'ai quoi? J'ai eu 30% de challenge. Lenny. Je crois que, évidemment, le seul que je viens de faire à l'instant, c'était Lenny. Voilà. Le Feka, du coup. Oh, Feka, Feka, Feka. Salut, Feka. Hop, hip, hop, hip. Lui, là, ça. Non, c'est Croco, ça? C'est Croco, ça. Là c'est Croco, donc on va éviter de... Lui il a quoi? Ça c'est de la merde. Là il a ça, là, l'étoffe de Pandikaz aussi. Truc un peu rond là que j'avais jamais vu, peut-être que... Sait-on jamais. Et les pierres, je pense pas que les pierres d'Egmarine, tout ça, ça soit... Je sais pas ça, je pense pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, bien entendu. Et enfin, on regarde le drop du Crocodile Nunu, qui est censé normalement être celui qui a le plus de prospection, mais il en branle pas une, je sais pas si là. Il me boude. Voilà, une prospection en mousse. Sauf si la peau de Pandore coûte 3 millions, je te fais plein de bisous. Et tout point, tout point. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, on est parti. On est parti à l'HDV. Et c'est parti, on va voir un peu ça. Donc, oh putain. Et nous, on gagne rien. Acceptez la récompense. Ouh. Oh ouais, ouais. Mais c'est comme ça qu'on a pointé du doigt. Putain, mais je le savais même pas, moi. Elle est où? Il est où, mon pointé du doigt? Ah, ok, un parchemin. Putain, mais j'étais même pas au courant. Ah bah, comme quoi, je pouvais pas vous mentir, comme quoi j'avais jamais fait le donjon, hein. Ah bah alors là, je pouvais pas vous mentir. Ah, ça y est, je l'ai. Oh, énorme. Pas mal. Eh,
Ah, j'aimais bien celui-là. Je sais pas, je l'aimais bien. Il était con à voir en fait. Yeah! C'est cool ça. Très cool. Ah bah alors là, ouais, oui, je suis. J'arrive au zap, il est toujours comme ça lui. Crampe au bras, c'est parti. Alors. Allez, hôtel de ventre source. Il y en a un qui est en train de se décharger là. Alors. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? On a l'étoffe. On a l'étoffe, ça. Je l'ai déjà dit. L'étoffe du maître Pandore. Où est-elle? Hop. 200 000. Très bien. On a le pôle de pendicage. Je pense que c'est pourri. Évidemment, quand on drop 33, hein, tu te doutes que c'est de la merde. Hein. Ah tiens, on a le triquetum là. 30 000 kama. Ouais, ça sert à quoi? Je sais pas du tout. Peut-être des recettes. Ah non, l'épée d'automaï, hein, ça... Ah ouais, l'épée d'automaï et puis... Ah oui, item HL, donc... obligatoirement, ils en ont besoin. Ouais, ouais. Ça se vend, ça. Ça se vend. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Triquetum. D'ailleurs, il est où mon triquetum? Ah, il est là. On se calme. Poil de pendicace, poil de pendule. Poil de pendule pourri. Alors, poil de pendicace, je crois que j'ai même pas... D'ailleurs... Ah oui, j'ai mis panda, c'est pour ça. Pendicaz. Host. Poil de pendicaz. Voilà. Sans commentaire. Peau de pendule, c'est pourri, je le savais déjà. Pardon, déjà, poil de Pandore. Pourri. Peau de Pandore. Pourri. Poil de maître Pandore. Pourri. Et enfin. Eh ben non, mais ça y est, tout est pourri. À part l'étoffe de pendicaz, peut-être. Dernier espoir que tout ne soit pas perdu. Ouais! Presque potable. Je crois que c'est dans une... Non. Elle est marrante cette ressource. Je pense qu'ils vont la refaire dans pas longtemps parce qu'elle ressemble à rien. Là on voit bien que quand on voit ce genre de ressource et puis je sais pas, une nouvelle là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme nouvelle, genre graine de pavot. Regardez bien la tête de cette ressource. La tête, pardon, de cette ressource. Après les nouvelles quand même. On voit qu'il y a un changement quoi. Là il y a des dessins, il y a des ombres et tout, et là, pff, flasque. Voilà, donc l'étoffe de Maître Pandore, c'est une flasque. Étoffe de Pandigas, pardon. Et donc là j'ai pas eu la capture, donc je vais pas pouvoir la faire. Génial. C'est génial. Et du coup je vais réessayer là. Attention, peut-être une astuce Kama qui est en train de se construire, mais évidemment il faut quoi de compte, du coup c'est pas vraiment le genre d'astuce que je posterai. Et puis non, mais de toute façon c'est que 200 000 Kama, la clé elle doit coûter je sais pas combien, donc je me fais pas de bill. Hein. Mais bon voilà, en tout cas c'était un nouveau donjon, donc c'était cool de le faire et tout. Et bah, du coup sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis voilà, bon jeu à tous, amusez-vous bien. Allez.